Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guitare de semaine. Où est la caméra? Elle est là. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment simplifier vos accords. Et pour ce faire, on va prendre l'exemple de la chanson Hey Joe de Jimi Hendrix. Donc on va pas voir l'intro dans cette vidéo, mais on va voir les accords de la chanson et surtout comment les simplifier. Si le sujet vous intéresse mais que vous voulez en savoir plus, notamment sur cette chanson, sachez qu'elle fait partie de mon nouveau cours sur les riffs de rock qui font progresser à la guitare quand on débute. Donc on fait un tuto complet de cette chanson dans notre nouvelle formation. Je vous laisse un lien en dessous de la dans la description de cette vidéo dans laquelle vous pouvez télécharger un petit e-book gratuit qui vous donnera aussi accès à notre newsletter. J'ai une autre annonce à faire aujourd'hui, c'est que mon tout premier album est sorti ce matin. Donc je vous laisse aussi le lien vers mon compte Bandcamp où vous avez accès gratos évidemment à mon nouvel album. Et je vous laisse un petit extrait, une chanson complète à la fin de cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait très plaisir. Donc c'est parti, on va voir tout de suite maintenant les accords de Hey Joe. C'est une suite d'accords très très commune, très connue, qui est parfaite pour commencer la guitare, pour commencer à jouer des accords un peu sérieux comme l'accord de Do, le Sol, le Ré, etc. On va les montrer en détail. Et ensuite, comme c'est des accords qui sont pas forcément très faciles, je vais vous montrer comment les simplifier et de manière générale, quand vous avez des accords un peu trop durs pour vous, comment simplifier vos accords pour que ça sonne quand même très bien, mais que ça soit plus facile à jouer. Donc c'est parti, les accords de Hey Joe, je vous les montre un par un. Le premier accord, c'est l'accord de Do. Hop. Donc l'accord de Do, c'est un accord très classique qui se joue comme ceci. Index en corde 2, case 1. Majeur en corde 4, case 2. Annulaire en corde 5, case 3. Voilà, donc c'est un accord tout à fait classique, mais qui n'est pas facile à jouer au début, parce que vous voyez bien que l'index est quand même loin derrière les deux autres doigts, et du coup, ça fait une extension pour la main, et c'est pas facile de faire sonner toutes les cordes. Peut-être que si vous avez déjà essayé de jouer cet accord, ça sonne plutôt comme ça au début. Comme on a les doigts très écartés, il est probable que vous ayez vos doigts qui soient couchés sur les cordes, et du coup qui les empêchent de sonner. Et à la fin, votre accord sonne comme ça peut-être. Du coup, cet accord de Do, on peut le transformer très facilement en un autre accord, c'est l'accord de Do 7e majeur. Donc c'est un accord qui va être plus riche au niveau harmonique, qui sonne un tout petit peu différent, mais qui est beaucoup plus facile à jouer parce qu'il suffit de supprimer l'index. Donc il y a cette nouvelle note sur la corde de Si, qui auparavant était jouée en case 1. Et quand on retire son index, on a un accord proche, mais un petit peu différent, avec un son assez mélancolique, qui dans l'harmonie de notre chanson fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'était le premier accord du morceau, Do, qui devient très facilement Do majeur 7. Et ça, ça fonctionne très bien dans notre chanson. Donc je vais vous rejouer la boucle des quatre accords. Do. Sol, Ré, La, et ensuite on reste sur le Mi. Maintenant je vais vous le jouer avec le Do majeur 7 au début et vous allez voir c'est très joli. Ça fonctionne très bien. L'accord numéro 2 du morceau c'est le Sol. Donc Sol majeur classique, on peut le jouer comme ça. La façon la plus simple et la plus efficace pour moi, c'est de jouer simplement annulaire en corde 1, case 3, majeur en corde 6, case 3. Et en fait, dans cette position, le majeur vient naturellement bloquer la corde 5, mais ça c'est très bien, parce qu'on ne veut pas qu'elle sonne. Donc quand on fait ça, annulaire et majeur tout simplement, la corde 5 est bloquée, et on a notre accord parfait. Voilà. Là encore, il y a une belle extension, c'est pas un accord très difficile, donc moi je vous conseille plutôt de vous entraîner à jouer cet accord. Mais si vous avez du mal quand même, et vous pouvez faire tout simplement ça, jouer uniquement l'accord de 1 avec la main gauche, et taper à la main droite les 4 cordes aiguës. Et vous avez là déjà toutes les notes de l'accord de Sol complet. Donc pour l'accord de Sol, cette technique marche très bien pour les débutants. La preuve... Ok, donc ça c'était notre deuxième accord. Le seul truc à faire à la main droite, c'est de taper uniquement les cordes
1, 2, 3, 4. Donc évitez à tout prix les deux grosses cordes, sinon c'est très moche. Donc c'est pas forcément plus facile que l'accord de base, donc moi je vous conseille plutôt quand même de vous entraîner à jouer celui-ci. Ok, on passe au troisième accord qui est un peu plus dur, c'est l'accord de Ré. L'accord de Ré, c'est un accord pareil, c'est que des accords hyper banals, mais celui-là n'est pas facile à jouer, notamment la petite corde tout en bas, parce que c'est majeur en corde 1, case 2, annulaire, corde 2, case 3, index, corde 3, case 2. Et on ne joue que 4 cordes. Ça, c'est pas évident à faire sonner, parce que les doigts sont tous collés les uns aux autres, on n'est que sur les petites cordes, et souvent, chez les débutants, la petite corde ne sonne pas. Parce qu'il faut vraiment mettre ses doigts à la verticale et appuyer très fort pour que ça sonne. Mais il y a une variante beaucoup plus facile et qui sonne extrêmement bien aussi, c'est ce qu'on appelle un Ré suspendu 2. Bon, je vous explique pas forcément le nom de l'accord, mais concrètement c'est très simple, il suffit de pas jouer le majeur. Donc vous allez juste garder l'index en case 3, en corde 2, case 3, l'annulaire en corde 2. L'index en corde 3, case 2, pardon, l'annulaire en corde 2, case 3. Et après, vous avez qu'à mettre vos doigts bien à la verticale, mais c'est assez facile, pour laisser sonner la corde demi à vide. Et là, on a un accord un peu plus planant. Ça, c'est l'accord de Ré standard. Et ça, c'est le Ré suspendu 2. Qui sonne hyper bien et qui est beaucoup plus simple à jouer. Voilà. Donc là, nos trois premiers accords, ça devient Do majeur 7. Sol. Ré 2. Et ça sonne hyper bien également. Beaucoup plus facile à jouer. Maintenant, le quatrième accord, c'est l'accord de La, qui normalement se joue avec corde 2, 3 et 4 en case 2, comme ceci, avec 3 doigts différents. Pas hyper difficile à jouer, mais quand même mettre 3 doigts simultanément, c'est pas facile. Et du coup, là, il y a deux variantes que j'utilise très souvent. Soit ce qu'on appelle le La 7, donc en fait ça devient simplement corde 2 en case 2 et corde 4 en case 2 également, avec l'annulaire et le majeur. Ça c'est l'accord qui sonne bluesy, donc ça c'est le La normal. Et la variante blues avec une corde à vide au milieu, cette note là, qu'on vient changer, et du coup le La parfait devient La 7. Et ça c'est beaucoup plus facile à jouer également parce qu'on a deux doigts. Le seul truc à faire c'est bien relever le majeur pour que la corde numéro 3 sonne bien à vide. Autre variante qui marche très bien, au lieu de jouer la corde 2 et la corde 4, on va jouer la corde 3 et la corde 4. Et c'est ce qu'on appelle un La suspendu 2. C'est le même type d'accord que celui que je vous ai montré juste avant. Donc pareil, très planant et assez facile à jouer parce qu'on n'a que deux doigts sur le manche en corde 3 et corde 4. Et là, il faut bien laisser résonner les cordes 1 et 2 à vide. Et voilà, ensuite il ne nous reste plus qu'à jouer notre mi majeur. Là, il n'y a pas vraiment d'accord alternatif, mais il n'est pas dur à jouer, donc ça va. Donc écoutez bien, voici les accords classiques, Do, Sol, Ré, La, Mi. Et les accords au doigté simplifié mais qui du coup sonnent un peu plus riches en réalité, Do majeur 7, Sol il bouge pas, Ré suspendu 2, La 7, Mi. Donc l'idéal c'est de savoir jouer les deux suites d'accords. Si vous êtes débutant absolu, bah, essayez d'abord les accords simples et ensuite entraînez-vous à jouer proprement les accords suivants. Et après on peut même mélanger les deux types d'accords en faisant par exemple quelques accords parfaits et ensuite quelques accords simplifiés. Donc je joue plusieurs fois la boucle et je vais alterner entre accords simplifiés et accords parfaits. C'était les accords normaux. Accords simplifiés.
l'ai enlevé. Donc c'était tout pour ces petits accords, mais vous avez compris le principe. Parfois, simplement en retirant un doigt sur un accord qui est trop difficile à jouer, on peut le rendre beaucoup plus simple au niveau du doigté et en même temps obtenir des sonorités intéressantes. Donc quand vous avez des accords qui sont trop durs pour vous, bah, vous pouvez tout simplement tester un peu au pif si vous voulez, de retirer le doigt qui vous pose problème. Et si ça marche, tant mieux, ça peut faire un accord de substitution bien utile. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec un extrait de mon tout premier album qui vient de sortir, pardon. Et bah, je vous invite aussi à télécharger notre e-book gratuit en dessous de cette vidéo si vous voulez découvrir d'autres astuces pour apprendre la guitare. A plus !